Il y a 5 ans, j'ai dit adieu au prince charmant. C'était comme ça, faut accepter. Cependant, c'est peut-être bête, mais je m'y attendais pas. D'une rose, je suis tombée amoureuse. Et oui, l'amour, ça prévient pas. C'était le coup de foudre, elle m'a rendue heureuse. Elle, une adorable rose au beau reflet doré. Vous avez vu ma rousse? Elle est belle, hein. Mais sache que sous ces airs de douce câline se cache une sacrée coquine qui m'obnubile. Des hommes, elle se détache et rend mon âme volubile. Voilà que je m'y attache. Moi, je cherchais un petit mâle pour être tranquille et voilà que je craque pour une pisseuse routine. Elle maîtrise le lap dance, m'hypnotise comme une apache. Pourtant, souvent, elle s'arrache, me lâche et je me retrouve à ses trousses, ma rousse. Ce n'est pas vraiment la reine de la fidélité. Disons qu'elle a une autre définition de la liberté. Elle me délaisse pour de l'escalade avec des beaux blagues qui passent. Se tape des escapades avec des cyclistes aux lunettes sans sas. Qui se la pète, la balade, se carapate en forêt, trip de test, ne serait-ce qu'un soir, ma rousse à quatre pattes, pour qu'elle les laisse finalement choir, car vite se lasse et vite les trace. Elle les remet à leur place, les plaques se cassent. Ils veulent des coups de queue, elle leur fout des coups de gueule, ma rousse. Elle leur fout des claques, mais toujours avec classe, jamais la frousse, ma rousse. Et puis elle retrouve la maison, le chemin de la raison. Fait jaser les voisins qui pensent que je suis complètement zinzin. Mais oui, ils ont raison, je suis complètement zinzin d'elle, ma rousse. Elle a plus d'une louve qu'un caniche, moi je m'en tiche. D'une rousse à l'air douce qui n'a jamais la frousse. Vous avez vu ma rousse? Elle est belle, hein. Une rousse, gars, ouais, c'est plus fort que toi, ça, j'aime. Ma perle était à la rue lorsque je l'ai rencontrée. Pour elle, je me suis mise à nu, je lui ai tout donné. Elle m'a appris à me détacher du matériel et je l'en remercie. Mais bon, j'avoue que ses leçons étaient plutôt celles de la jalousie. Dès que je sortais, mes chaussures, elle a détruit. Du téléphone au canapé, tout y est passé sans répit. Jalouse de l'école, du boulot, un jour elle a déchiré mes cahiers, mis en pièce une cassette vidéo qu'on devait le lendemain visionner. Alors ensuite, comment expliquer à ses élèves qu'une rousse en avait assez, que j'aille bosser plutôt que jouer avec elle aux osselets? Ah, mais vous avez vu ma rousse? Elle est belle, hein. Pas matérialiste, madame. Quelques goûts de luxe tout de même. Bah oui, je vous ai pas raconté, car c'est en spa que je l'ai rencontrée. SPA, madame. Elle me se fait dorloter, masser, caresser, puis adapte du bio avec ça, se parfumer aux essences de lavande de Thuya. Mais dès que j'ai tout tourné, elle file aux puces et bouffe n'importe quoi. Bah le spa pour moi c'était la première fois, une cure après l'adieu au prince charmant. Elle c'est une habituée d'ailleurs, elle m'a déjà fait le coup d'y retourner chiellement. Au spa, elle a pris une mauvaise habitude et dès qu'elle est de mauvais poil, elle file au bambou et qu'elle raffole avec béatitude. Mais comme moi c'est pas trop mon truc, je reste garder la maison pendant qu'elle batifole avec ses potes à poil en bouffant le tuc. Bah vous avez vu mes rousses? Ma rousse? Elle est belle, hein. Encore 15 jours, je me suis fait plaquer, ça a failli casser. Heureusement, j'ai eu du flair, on a évité le pire. Juste une entorse à la règle, ne jamais chercher à la retenir. Surtout lorsqu'elle a décidé de foncer tête baissée